Donc, comme vous avez vu le titre de la vidéo, le premier pacte de Satan. D'accord? Donc, le pacte, on a la définition, accord, entente de nature formelle, conclure, signer un pacte, convention entre États. Là, on va voir quel est le synonyme de pacte. C'est accord, alliance, arrangement, contrat, convention, entente, marché, traité. D'accord? Quel est le pacte? Le pacte est un mot d'origine latine qui désigne un accord. Dans le vocabulaire juridique classique, on utilise le mot pacte pour désigner une convention. De nos jours, on tend de plus en plus à assimiler le mot pacte ou mot convention sans attacher au choix des mots, la notion, au choix des mots, la notion de validité ou d'invalidité. Quel sens a le mot pacte? Accord solennel, conclu entre deux ou plusieurs personnes, faire un pacte avec quelqu'un, convention entre deux États, pacte non-agression. Quels sont les différents types de pactes, type clause société, cause d'agrément, cause de droit de préemption, cause d'incessibilité ou d'inaliénabilité, cause de droit à sortir après à ce niveau juridique. Les amoureux se coupent, voilà, déjà, là c'est un exemple de pacte. Hein. Les amoureux se coupent avec la lame, puis chacun goutte de sang de l'autre. Ils peuvent aussi coller les endroits coupés et mélanger le sang. Ou encore, ils font sous un arbre prendre une goutte de sang de chacun, mélanger puis l'essuyer sur une partie écorcée de l'arbre, soit ils jettent le mélange dans la mer. Déjà, vous avez vu sur Internet, on vous montre déjà le chrou, d'accord, les incantations à faire. Donc, effectivement, on fait comme ça, d'accord? Donc, ça, c'est un pacte physique entre deux êtres qui ont comme un accord, qui veulent s'aimer à l'infini. Et bon, ils ne savent pas que c'est Allah qui lie l'éternel des armées, Yahweh qui lie. Ra qui nous lit. Donc, ça c'est un pacte. On continue. Comment c'est l'impact? Fixer un doigt dans un matériau avec du ciment ou du plâtre. Marquer un sceau pour authentifier. Fermer hermétiquement. Apposer des scellés au sens figuré. Confirmer de manière définitive un pacte, une promesse. Donc là c'est aussi une promesse. Hein, d'accord? Un pacte, c'est une promesse. Pourquoi faire un pacte? Un pacte d'associés va préparer ou prévenir un éventuel désaccord ou les conséquences préjudiciable d'un différend. Il est donc essentiel de prendre soin de la rédaction d'un pacte associé de façon à prévoir à l'avance les situations qui donneront lieu à une application du pacte. Comment fonctionne le pacte? Le pacte vise l'accès à l'emploi par une formation qualifiante. Ce peut être un titre, un diplôme ou une qualification certifiée. C'est pour ça que vous voyez, ils vous le disent. Vous n'allez pas dire au jour de la rétribution, non, je ne savais pas. Quand vous signez un contrat, hein, on est dans la dounia, vous faites un pacte, c'est-à-dire que je vous donne de mon temps. D'accord? C'est-à-dire que vous donnez de l'argent à l'entreprise et elle, en échange, elle vous donne de l'argent. Vous faites un pacte. Vous ne pouvez pas dire, même accuser les artistes. Les artistes, ils font pareil. Je vous donne du sang de ma personne et vous me donnez de l'argent. Parce qu'en gros, c'est de l'argent tout comme vous en CDI. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous faites aussi des pactes quand vous êtes au travail. Je donne des heures de ma vie en échange de l'argent pour pouvoir manger. Il y a toujours, les autres, c'est pour pouvoir briller. Comme ça, c'est vous qui classifiez les choses. Hein, parce qu'avec Allah, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est l'action volée. Donc, vous-même, vous avez fait un pacte en échange. Quelle est l'origine de la loi pacte? J'avais parlé de pacte, excusez-moi. La loi pacte est la réforme économique phare du gouvernement d'Edouard Philippe. Elle a été portée par Bruno Le Maire, ministre de l'économie et de la relation. Bon, là, c'est Jean Dunia. Vous allez voir où je vais en venir, parce que je suis dégoûté. Comment appelle-t-on une personne qui n'est jamais d'accord? Quelle est la nature du pacte de préférence? Comment dire autrement, j'ai honneur? Comment rédiger un pacte? Quels sont les enjeux de la loi pacte? Qu'est-ce qu'un pacte actionnaire? Pourquoi le pacte de sang se brise? Le pacte de sang de nos deux amoureux s'est brisé parce que Grindelwald a voulu tuer Clarence alors qu'Albus, à la fin, ont voulu le protéger. Bon, après, là, on connaît, le rissa, c'est le rituel de sang. Le pacte de sang est une relation amoureuse, c'est un engagement entre deux partenaires symbolisé par un échange. Vous voyez, on vous dit que c'est un échange. C'est une pratique qui est souvent considérée comme un moyen de renforcer la connexion émotionnelle et spirituelle entre les deux personnes. Donc le pacte, c'est un échange, c'est une alliance. Maintenant, je vais vous expliquer avec qui Iblis a fait un pacte, son premier accord. Oui, ça c'est le serment de sang. On permet par le son une pratique assez rare. Ça, c'est beaucoup les francs-maçons, tout ce qui est dans l'ésotérisme négatif. À des personnes, plus il y a une autre, une être frère jusqu'à la mort. Ouais, c'est jusqu'à la mort. Moi, c'est le terme juridique. Bon, maintenant, ouais. Bon, c'est que vous voulez voir le premier pacte d'Iblis, on y va. Donc là, on arrive à
Sourate, verset 14, on va le lire. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc là, il y a un accord. Satan dit, accorde-moi un sursis jusqu'au jour de la résurrection. Satan dit, accorde-moi un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Accordez-moi un répit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il répond, accorde-moi un délai en observation jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc déjà, vous savoir que la lettre G, c'est la septième lettre de l'alphabet, donc c'est le G, et la lettre 14, c'est GN. Déjà, dans la langue des oiseaux, on voit j'ai la N. Mais je vais vous expliquer c'est quoi la GN. D'accord? C'est pour ça que le Coran, c'est un livre que si vous ne comprenez pas le Tanakh, où il y a la Torah, le Nevi, le Ketuvim et la Bible, vous ne pouvez pas comprendre le Coran. Parce que moi, je connais ces livres, donc quand je lis le Coran, ça coule donc comme de l'eau de roche. Je sais c'est quoi la GN. Il y en a plein parmi vous dire c'est quoi la GN. Je vais vous montrer c'est quoi la GN. D'abord, avant de continuer. Donc, le Coran est explicite dans la numérologie. La GN, sourate 7-14, c'est l'enfer. Torture, souffrance intolérable. C'est quoi la GN? L'enfer dans les écrits bibliques, littéraires, souffrance presque intolérable, supplice, torture. Donc, ça veut dire que le premier pacte qu'il a voulu faire avec Allah, ben oui, le premier pacte que Iblis a fait, c'est avec Allah. Mais dans ce pacte, quand il a parlé, déjà, il était déjà banni. Parce que c'est GN. Donc, c'est-à-dire que le pacte qu'il a fait le dirige directement en enfer. D'accord? Parce que Allah n'a pas besoin de pactiser, Allah n'a pas besoin de faire d'accord. Donc, il y a plein de choses que je ne supporte pas et on va en parler. C'est quoi la gêne dans la Bible? La gêne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la gêne est communément synonyme de torture, intense souffrance pour d'autres comme les témoins de Jéhovah. Elle est le symbole d'une destruction totale complète. Bon, ne donnez pas à maman. Vous connaissez très bien maman. Définition de la gêne. On va mettre gêne synonyme parce qu'on n'a pas le temps. Vous cherchez. L'enfer dans les écrits bibliques, littéraire, souffrance presque, supplice, torture, calvaire, martyr, sans la vue. Là, ça, on va dire gêne islam. Voilà. Voilà, on revient. Allez, aucun accès, je suis un. Bref, on va regarder ce que la personne dit. Le feu de la gêne est désigné sous plusieurs appellations. Cette diversité de noms traduit la diversité de ses qualités. On l'appelle Hal Jahim, Jahannan, Laza, Hasahi, Sakal, Hal Huatama, Hal Hawiya. Selon ses qualités, la réalité reste la même. Tout nom authentique établi dans le livre d'Allah ou rapporté dans la sunna du messager, bénédiction et salut soit sur lui, doit être accepté par le croyant. Majmu, Fatawa, Warasai. Dalhutaimin par Asal Saman 258. Le feu en question est appelé Jahim à cause de son intensité. Il est aussi appelé Jahannam à cause de sa profondeur. Selon le dictionnaire Al-Kamous, on l'appelle aussi Laza en raison de la puissance de ses flammes. Il est encore dit Sahir parce qu'il attaque et brûle tout. Ici, Fa, il équivaut à Mafoul. On l'appelle encore Sakar pour l'intensité de sa chaleur. Et Utama parce qu'il détruit et désintègre tout ce que l'on y jette. On l'appelle enfin le gouffre parce que l'on s'y prête du haut en bas. Certains détenteurs de la science parmi les exégètes et d'autres ont cité d'autres noms. Bon, après, bon, là, on voit que c'est. Dans l'islam, c'est le feu. Hein. C'est le feu. Bon, on va repartir, nous, à la gêne de la sourate 7, verset 14. Ah, oui, d'accord, merci. Allah me montre que l'inverse de la gêne. C'est la Genèse, merci Allah. Vous voyez, Genèse, définition. Manière dont une chose se forme, se développe. La Genèse des Nadara. Quelle est l'explication de la Genèse? L'origine et développement des êtres. La Genèse des espèces, processus, développement d'une maladie. La Genèse d'un cancer. Quel est le synonyme du mot Genèse? Commencement, conception, création, élaboration, formation, génération, naissance, origine, production. Donc si je mets Genèse. Antonyme. Ouais. Achèvement. Oui, c'est l'enfer. De toute façon, c'est le début. À la base, Genèse, c'est le début. D'accord? Ils disent commencement. C'est le début. Et la GN, c'est la fin. C'est le feu. Bon. Des fois, leurs définitions, elles sont un peu bancales. Sourate, on va passer. On repart chez l'autre, là. Donc, on va voir. Déjà, on va commencer à la 13. Ah oui. Okay, j'allais faire une longue vidéo, mais mon téléphone n'a pas de place. Donc, Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'en faire d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Donc, déjà,
Excusez-moi, ce côté-là, là, ça s'est passé. Ça s'est pas passé en haut, hein. Donc c'était en bas. Parce qu'il faut savoir qu'à la Djinnah, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de gens qui se la racontent. Donc ça, dans tous les livres, quand je vois, oui, il fut chassé du ciel, c'est-à-dire que vous pensez que là où il y a Allah, là, il y a l'ordre, que hein, une négativité peut rentrer dans la sainteté. Arrêtez-moi tout de suite, hein, parce que là-haut, il n'y a que des automates. Donc, non. Tout ça s'est passé sur Terre. D'accord? À la création d'Adam. Après, je vais faire une vidéo d'Adam et Issa. D'accord? C'est du vite fait. Donc, par conséquent, tu dois descendre car tu es à grande toi. Par contre, alors descends d'ici. Ça, je comprends pas. Descendez en. Car il ne vous appartient pas d'être arrogant ici. Alors descends de paradis. Non, non, non. Vous pensez qu'Allah, c'est votre pote? En fait, quand je lis tout ça, j'ai l'impression que vous croyez qu'Allah, il a un petit niveau. Vous pensez qu'avec tous les malaïkas, les séraphins, les chérubins, parce qu'il faut savoir que Allah est au niveau 7. Donc après Allah, c'est les séraphins, c'est niveau 6, tellement je suis énervé. Et les chérubins, il est en niveau 5, mon frère. Iblis, il est en niveau 5. Donc déjà, il peut même pas atteindre les séraphins. Donc comment il peut foutre le désordre? Et après lui, il y a les trônes, il y a tout ça, tu vois, jusqu'au dernier malaïka en bas. Faut arrêter, il n'y a pas de désordre en haut. Alors là, je refuse. Et vous allez voir autour de la rétribution, ceux qui ont dit ça, vous allez voir, on est des automates là-haut. Il n'y a pas il n'y a pas de négativité qui rentre. On le bute. Ça n'existe pas. C'est sur Terre qu'on a la création d'Adam et Ève. C'est là où il y a eu déjà le mal. On vous a dit que le commencement, ça a commencé par le chaos, par le noir. Et du noir est sorti de la lumière. C'est-à-dire, c'est commencé le blanc. Du noir est sorti dans le noir est sorti le blanc. On continue. N'êtes pas au fou de la gueule des gens quand même. Vous croyez qu'Allah, c'est votre pote en fait. Moi, je défends Allah. Je m'en fous de vous, hein, franchement. Même si Allah n'a pas besoin de défense, moi je regarde les écrits, les exégèses des mots. Accorde-moi un délai, Satan, jusqu'au jour où ils sont ressuscités. Oui, il a dit accorde-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection. Accorde-moi un délai, répit jusqu'au jour où ils sont ressuscités. Accordez-moi un répit jusqu'au jour où ils sont ressuscités. Il a déjà, là déjà, celui-là, il a mis EZ. Hein. Accorde-moi un délai en observation jusqu'au jour où ils sont ressuscités. Donc on va dire accorde-moi, donc il s'adresse bien à Allah. Parce que quand vous voyez qu'il y a plus de 3 fois les réponses, c'est que c'est Allah. Comme je dis, toujours par trois. Non, Allah dit, tu es de ceux. Allah dit, tu es de ceux à qui les délais, même pas le délai est accordé. Allah dit, il t'a accordé un sursis. Allah dit, tu es de ceux à qui un répit est accordé. Allah dit, vous êtes accordé. Allah dit, certes, tu es parmi ceux qui attendent. Je vais faire cette version. Il dit, certes, tu es de parmi ceux qui attendent en observateur. Voilà. Ça, c'est bon. Mais là, quand vous écrivez les autres, c'est-à-dire que vous attestez que Allah il a fait un accord avec Iblis. Vous voyez les mots? Accordé. Accordé. Un accord. Je vous ai dit que c'est un pacte accordé. Ça fait déjà 4. Accordé. Il n'y a que le dernier qui dit, certes, tu es parmi ceux qui attendent en observateur. Voilà. Voilà. Vous voyez encore les traductions? Donc, on continue. N'importe quoi. Puisque tu as mis en erreur. Regarde maintenant, Iblis il accuse Allah, le Kala ne met personne en erreur, erré en heure. D'accord? C'est-à-dire que c'est la malédiction. Parce que quand il a dit. Quand Caïn il a tué Abel. C'est quoi, Ebé? Tu veux du sucre, oui? T'as vu du thé? Ouais. Merci, oui, je crois. Ah, j'ai pas envie de dire. Donc, c'est-à-dire que quand Caïn a tué Abel, Allah lui a dit ben va, tu vas errer toute ta vie. Mais il a déjà fait l'acte. Ben, là, Iblis il a fait l'acte de l'orgueil. D'accord? C'est pas le fait. Pas le fait de. Merci. C'est pas le fait de. Il a fait déjà l'acte. Donc maintenant, là, c'est la malédiction. Puisque tu m'as mis en erreur. Mais pourquoi? Iblis, il dit puisque tu m'as mis en erreur. Donc là, on va regarder la traduction. Parce que Allah met personne en erreur. Vous savez pas qu'Allah, c'est le distributeur automatique de l'amour. Allah met personne en erreur. Sinon, vous n'aurez jamais envoyé le Coran, la Bible ou le Tanakh. Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux, je ferai quand même bien d'art pour eux sur ton droit chemin, puisque tu as voulu que je m'égare. C'est que quand déjà il fait oui, Allah égare et Allah égare qui il veut. Non, 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 si Allah il égare personne, sinon vous n'aurez pas envoyé les livres pour vous mettre justement dans le droit chemin, c'est pas logique. Je rôderai autour d'eux sur ton droit chemin, puisque tu m'as induit en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Il a dit pour ce que tu m'as fait induire en erreur, je les poursuivrai sur ton droit chemin. Il déclara ainsi au fait que tu m'as dévoyé, je paralyserai entraverait activement, en effet, pour eux, ton sentier, celui qui cherche à se stabiliser, se maintenir. Donc, attends, c'est le 16 que j'ai mis? Ouais, c'est ça, le 16. Vous voyez, ce 16, ça fait 7-7. Vous voyez, excusez-moi, merci Allah.
Parce qu'on voit que... Attendez. Là, elle me montre... Oh là là, je sais pas, voilà. On me montre, c'est le 7, 7. D'accord? 7 plus 16, 14 est égal n. T'as vu, il part toujours avec la n. Ah là, ne l'a pas mis en erreur, c'est la n. Voilà. T'as pas roulé les gens, toi. Maintenant, on arrive à 16, 17. Vous voyez, les codes, c'est là qui donnent tout en même temps. Donc, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, c'est-à-dire de tous les sens, en rond, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Bon, là, c'est vrai, ils sont vraiment pas reconnaissants. Je viendrai à eux, de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche, et tu ne trouveras que la plupart d'entre eux sont ingrats. Puis je viendrai de devant eux, de derrière eux, de leur droite et leur gauche, c'est-à-dire, mais là, comme il y a eu ce pacte-là, cet accord avec Allah, de gauche, alors je viendrai à eux entre leurs mains et derrière eux et leur droite et leur gauche et vous trouverez la plupart d'entre eux sans merci. Ensuite, je leur viendrai certainement d'entre eux, devant eux et de derrière eux et depuis leur droite et depuis leur gauche et aucunement tout droit la plupart d'entre eux reconnaissant. Ben, c'est-à-dire que de tout ça, tout l'accord que... Le pacte qui a été fait entre Iblis et Allah, vu qu'il y a plus le mot accord, donc je dis accord. Même si la dernière c'était la plus juste, mais bon, Allah il a permis que ce soit écrit accord, donc il y a eu un accord, un pacte entre eux. Oui. Mais c'est-à-dire que le pacte d'Iblis a été fait parce que les gens, vous voyez très bien, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne savent pas c'est quoi la prière, c'est que des demandes et c'est de l'intérêt. D'accord? Donc 7 verset 18, faut savoir que le 7, on va reprendre le stylo, le 7 c'est all. D'accord? 1, 3, 3, c'est 7, tout. Et H, A. 1, 8, 9. C'est Allah qui parle. Effectivement, c'est validé parce que ça fait 133, 7 et 18. D'accord? Donc, attendez 2 minutes. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. D'accord? Donc, c'est lié. La 18, elle est liée à ça, on répète. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Quant à ceux dont les poids sont légers, ils seront ceux qui ont perdu leur âme comme conséquence au fait d'avoir ignoré une révélation injustement. Celui dont la balance est légère, voilà ceux qui sont perdus eux-mêmes parce qu'ils étaient injustes envers nos signes. Et quiconque a des poids légers, alors ce sont ceux qui ont perdu leur âme pour ce qu'ils ont transgressé de nos révélations. Et celui dont est légère sa pesée, alors ce sont ceux-là, ceux qui auront mené à la perte leur âme du fait qu'ils étaient avec nos signes interprétatifs injustes. Donc ça, c'est la sourate 7, verset 9, ce sont ceux qui ont suivi Iblis. D'accord? Donc on en revient à 18. Donc Allah, ce sera, vous allez avoir le même jugement ou le même lieu que Iblis. Allah vous dit, sors de là, dit Allah, banni et rejeté, quiconque te suit parmi eux, qui est en lien avec la sourate 7, verset 9. De vous tous, j'emplirai l'enfer. Il dit, sors de là, méprisé et vaincu, ceux parmi eux qui te suivent, je remplirai l'enfer avec vous tous. Encore lié à 7, verset 9, c'est la même. Il dit, Allah dit, parce qu'il dit non, c'est elle dit, E-L, sors de là, méprisé et repoussé, quiconque te suivra parmi eux, je remplirai l'enfer de vous tous. Allah dit, sortez de là, vous êtes méprisés et bannis. Quant à ceux qui vous suivent, je remplirai l'enfer de vous tous. Sors de lui le paradis méprisé. C'est pas le paradis, arrêtez de danser, c'est la terre. Hein. Sors de là. C'est pas le paradis. Hein. Y a pas, je vous répète qu'il n'y a pas de problème dans le paradis, c'est la sainteté qui règne. Méprisé, vaincu et banni. L'irrévocablement, quiconque te suivra parmi eux, j'emplirai certainement l'abîme de l'enfer, qui est la géhenne, ceux qui ont la haine, qui sont conduits par le mal. De vous tous ensemble. Donc là, c'est l'accord qui a été fait avec Iblis. D'accord? Allah, l'accord qui a permis. J'aime pas ce mot avec Iblis. D'accord? Et maintenant, sa récompense sera la géhenne, c'est-à-dire il aura son royaume dans l'enfer. Voici le premier pacte avec Allah. Ça veut dire que Iblis, même si tu pardonnes, tu demandes pardon. Comme avant, je disais, tu peux demander pardon. Allah va te pardonner. Allah est pardonneur. Mais au fil du temps, quand Allah me montre la géhenne, c'est-à-dire que c'est par rapport à ton acte qui a eu l'enfer, tu as voulu être roi. D'accord? Tu as voulu induire les autres malaïkas qui t'ont suivi sur terre. Hein?
Il y a des dimensions. Vous voulez parler, vous savez pas, donc vous avez mis paradis. Ils vont aller avec toi. Voilà. Parce que tu es le créateur de l'enfer. Ta parole a créé l'enfer. Ta parole est le mal incarné. Et ça s'est matérialisé. Le feu, les flammes. Voilà. Donc voilà, maintenant c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris. Dans le Coran, il n'y a pas d'erreur. Il faut juste des bonnes explications. Il faut le nour, le haq. Et je vous ai expliqué le premier pacte. Qu'Iblis a fait, le premier accord qu'Iblis a fait, c'est avec Allah et sa récompense, vu que justement il a fait, il a agi, hein, il a bien fait son pacte, il a induit les gens en erreur, il y en a beaucoup sur Terre. Hein. Vous voyez très bien que dans tous les livres, on sera peu à aller à la Djinnah, très peu. Hein. Comme je vous ai dit qu'un jour, Allah m'a montré une vision où il y avait la mer et j'ai dit, Allah, combien de personnes sont sauvées? Allah m'a montré une goutte d'eau de l'océan. Donc, je ne peux pas vous dire autre, on attend juste la fumée qui va tous vous tuer. C'est tout ce que moi j'attends. Je n'ai pas de compassion, je n'ai pas d'émotion. Je veux la loi. La vengeance appartient aux humains, mais la loi divine, c'est la justice, elle appartient à Allah. Donc, soit vous marchez avec Allah, soit vous allez en enfer. C'est la polarité, hein. C'est la balance. Allez au thème.